bien bonjour à tous, sauf au médic dans Battlefield 1 qui ne réanime pas alors qu'ils sont à 3 mètres de toi. C'est Célébor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo justement sur Battlefield 1. On est en domination, on va jouer sniper comme d'habitude, mais j'ai changé de sniper. Je suis passé au M1903 histoire de changer un petit peu de sniper et de faire un peu le tour de ce qu'il y a sur BF1. La grosse difficulté, je suis un petit point sniper de ce M1903, pour moi c'est qu'il n'y a que 5 balles. Et 5 balles franchement, faut pas se rater hein, parce que... C'est 5 kills potentiels si tu mets des headshots, mais sinon, putain, c'est chaud, hein. C'est chaud. Moi, j'aimerais bien le même sniper avec 10 balles, ça serait parfait. 8 balles. Je négocie à 8 balles. C'est un développeur qui m'écoute. Ça n'arrivera pas, évidemment. On est en domination sur la map aux frontières de l'Empire. Je kiffe pas d'ailleurs le nom de la map, hein, mais la map en elle-même, elle est vraiment pas mal du tout. À part les connards qui campent au lance-flammes dans les bâtiments, mais ça, de toute façon, on peut pas faire grand-chose contre ça. Et dans mon escouade, je suis avec Lucien Teprot, qui est un youtubeur Battlefield aussi. Enfin, pas que Battlefield, mais il fait quand même pas mal de Battlefield. Et si vous aimez les belles vidéos avec de la super qualité, filmées de façon... avec des cinématiques, etc. Vraiment, allez voir sa chaîne. Vous savez que j'ai fait de la pub pour des youtubeurs. Lui, j'en avais pas parlé, mais vraiment, ça vaut vraiment le coup d'aller voir, quoi. D'ailleurs, je recommencerai certainement une nouvelle vidéo quand j'aurai repris un peu plus fréquemment les miennes, on va dire, où je fais la promotion d'autres youtubeurs Battlefield. Donc, si vous avez une chaîne, c'est le moment de vous motiver parce que l'un des premiers critères pour passer dans ce genre de vidéo, c'est la régularité. Je peux pas vraiment mettre en avant des youtubeurs qui ont fait 3 vidéos et qui vont arrêter, quoi. Ça vaut pas le coup. Pour vous, ça serait pas respectueux non plus de vous dire abonne-toi, ce mec, il est super cool, mais par contre, il va rien faire. Et d'ailleurs, ceux que dont j'avais fait la promotion, je suis vraiment content et satisfait de voir qu'ils ont continué et qu'ils marchent même très très bien. Sans moi d'ailleurs, hein. Parce que moi, c'était juste un petit coup de pouce sur un moment, mais. Vous seriez désabonné si ce contenu n'avait pas été bon, et c'est pas le cas, et ça me fait plaisir de voir que vous appréciez aussi leur travail. D'ailleurs, le fait de parler de promotion, ça me permet de faire la transition sur l'aspect communautaire de ma chaîne, c'est-à-dire qu'avec Nubes, on va reprendre les top 5 Battlefield. Donc vous savez que quand j'étais parti à Londres dans la finance, Nubes, il a repris mes top 5, et maintenant ce qu'on va faire, c'est que 2 fois par semaine, vous aurez des top 5 Battlefield. Alors ça peut être des top 5 sniper, ça peut être des top 5 teamplay, ça peut être des top 5 fail, etc. Il y a plein de catégories, donc je vous mets le lien dans la description pour soumettre vos clips. C'est vraiment pas compliqué, Nubes, il a fait une vidéo là-dessus, je vous mets aussi le lien dans la description. Il faut absolument respecter ce qu'il a dit d'ailleurs, hein. On a travaillé ensemble là-dessus, enfin, faut savoir que quand on vous demande d'envoyer des clips, parfois on reçoit des trucs, ça fait peur, hein. Franchement, c'est flippant, hein. On se dit, il y en a certains, c'est filmé avec une pomme de terre, ou ils ont fait un kill, ils sont super refaits, genre le kill au sniper de la partie, mais ça fait un kill au sniper, tu peux le mettre nulle part. Bref, c'est pas la question. Vous pouvez soumettre vos clips sur un questionnaire, en fait, où vous mettez le lien de votre vidéo que vous avez uploadé sur YouTube, et c'est très précis. Nubes a bien fait la vidéo, donc allez la voir. Et d'ailleurs, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, lui, il est en train de trier les clips pour sortir un top 5 ce soir. Donc, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo quand elle sera sortie. Mais donc, voilà, vous aurez le premier top 5 ce soir. Et le prochain top 5, normalement, ce sera sur ma chaîne et ça sera mardi. Donc, voilà, ce sera le vendredi chez Nubes, le mardi chez moi. Et vous aurez 2 top 5 par semaine. C'est la fête, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, j'anticipe un petit peu vos questions. Les frags de la semaine, c'est pas pour tout de suite. On va d'abord commencer par bien se roder sur les top 5. Les clips que vous envoyez, ça sera uniquement pour les top 5. Donc, même si vous avez des clips pour les frags de la semaine que vous voulez absolument utiliser pour les frags de la semaine, soit vous nous les envoyez pour les top 5 et ils passeront certainement s'ils sont bien, soit vous les gardez de côté en attendant que ça revienne. Mais pour l'instant, tout de suite, on va juste se focaliser sur les top 5. Et croyez-moi que ça devrait prendre pas mal de temps. Vous avez été nombreux à me dire sur Twitter que vous jouez seul sur Battlefield 1. Plus d'un sur deux d'ailleurs, et à un moment on était quasiment à 3 personnes sur 4, et ça fait partie d'un autre projet que j'aimerais bien faire avec Nubes d'ailleurs, c'est vous permettre de créer facilement des équipes pour jouer entre vous, même pas forcément des équipes d'ailleurs, hein, juste trouver des potes pour jouer, parce que franchement c'est dommage de jouer à Battlefield seul, et c'est encore plus dommage de jouer à Battlefield 1 seul, parce que le jeu est totalement axé sur le teamplay. La preuve, hein, quand je joue au sniper, je fais pas beaucoup de points, hein. C'est vraiment faire les objectifs, hein, faire péter les objectifs en ruée par exemple, qui rapporte des points, capturer des drapeaux, etc. Donc c'est vraiment le teamplay qui rapporte des points. Et puis franchement, l'expérience de jeu, n'importe quoi, est 100 fois meilleure quand vous jouez avec des potes, hein. Là par exemple, je suis simplement avec Vicente Prod dans la squad, et croyez-moi que quand il était pas là, les premières parties que j'ai faites, j'ai pas changé de niveau entre temps, mais je me faisais démonter, et là à deux, franchement ça a fait la différence, parce que on spawnait l'un sur l'autre, il me réanimait, et puis on avançait ensemble, quoi. Et franchement, ça fait la différence. Et avec les communautés qu'on a avec Nubes, je me dis, c'est vraiment dommage de pas vous en faire profiter. Vous avez des profils similaires, il y en a certains d'entre vous qui veulent progresser, il y en a certains qui recherchent des gros joueurs, il y en a qui veulent juste s'amuser, etc. Et dans l'ensemble, vous êtes assez mature, vous avez cet esprit teamplay, et puis c'est quand même mieux de jouer avec des potes ou avec des
de trouver des mecs avec qui jouer pour gagner les parties, parce que franchement, c'est pour moi le point essentiel. Franchement, au ratio, je m'en bats totalement les couilles dans Battlefield 1. C'est vraiment la gagne, en fait, hein, de la partie qui compte. Donc même si vous voulez faire la pub de votre équipe ou même chercher des joueurs dans les commentaires, n'hésitez pas, mettez votre pseudo et puis la plateforme sur laquelle vous jouez surtout, parce que ça serait con d'ajouter des gens qui jouent sur PS4 alors que vous êtes sur PC. Donc voilà, je vais pas supprimer les commentaires, je vais même plutôt essayer de les mettre en avant. Et ensuite, on va essayer de trouver un truc avec Nubes pour vous aider. Pour l'instant, il y a le forum Battlefield qui est pas mal aussi pour trouver des joueurs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, Rogue, c'est bien. Et à la prochaine, ciao. Is there anybody